Dès qu'il t'attaque, tu fais ça. R3, c'est pas sûr. Je dégage la gigue. Là, j'ai quand même pas mal attaqué, hein, t'as vu ça? Bim! Boum! Je sais pas si t'as remarqué, mais il lui restait plus que ça, donc je pense que j'avais déjà bien entamé. Ouais. Hein. Je veux pas dire. Ce qui est bizarre, c'est que sa santé était déjà entamée, donc ça c'est nouveau. Avant, dans Dark Souls, c'était pas comme ça. Ah ouais. Les ennemis revenaient à 100%. René? Non, c'est René Rarot. Et René! Et René! René! Non, par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a pas récupéré de potions. Ah si, lui, oui. Bon, on a peut-être 3 potions. Pourquoi les petits gugus, ils s'en vont direct? Quel petit gugus? Je vais voir le spectre et ça s'en va direct. Là. Parce que je l'ai déjà vu. Allez, lis à chaque fois à vous. Tu vas me sauter dessus, toi. Elle désingue tout, quoi. Là où enfin, c'est beaucoup mieux fait, c'est beaucoup mieux fait que Dark Souls, qui était complètement figé. Syriaco et Amplification qui joue. Parce que dans une heure on sort de ce truc. Trop de violence dans ce monde de brutes. Toi, t'es pas sorti à Excel un samedi soir. Wow. Tu manges la dernière frère? Je sais pas, moi aussi j'en ai déjà assez mangé. Manger les chips qui font bien. Ah, ce ne serait pas la scène qu'on a plus ou moins joué à la Ah oui, exact, je m'en souviens très bien. En effet, on commençait là. Alors je vais me faire désinguer par les gugus du bas. Et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Vous êtes sur Pixel Barbecue TV. Yeah. C'est la chaîne Twitch de Pixel Barbecue. C'est Berry qui vous parle, je suis accompagné de Syriaco, notre rédacteur en chef. Et également, c'est Dapoification qui est en train de jouer et qui flippe pas mal. La roulade. Parce que je me dis, c'est que quand je fais des vidéos de jeu, je suis toujours en mode objectif pay. Oula. Alors j'espère que vous avez une qualité de stream pas trop dégueulasse parce que le jeu est très fluide. Il n'est pas plus extraordinairement hallucinant beau. Hein. Ah bien, c'est bien ça. Alors pour ceux qui connaissent From Software et leur lignée de jeux, on n'est pas trop dépaysé clairement. C'est quand même joli. Donc, franchement c'est quand même joli. C'est joli, mais on voit rien. C'est toujours fouillis. C'est en brun sur brun. C'est pas de la HD, mais ça va. Ouais, ça c'est pas grave. Le jeu original aussi est pas en HD. On a préféré le mettre en 480p. Aussi, c'est en HD. On a préféré le mettre en 480p. Parce qu'au moins, c'est fluide. Parce que je sais pas si ma connexion va suivre. Alors ça doit être l'équivalent des feux de camp. Cette lampe vous ramène désormais dans le rêve du chasseur, après votre mort. Donc voilà, c'est l'équivalent du feu en effet. C'est une lampe. Les bruits me font un peu... C'est une sorte de fussoir. Donc s'il y a un feu, ça veut dire que... Il va y avoir un monstre. Il va y avoir plein de monde. Là, il y a une lame derrière. J'ai l'impression que je t'ai vu jouer à ça dans Demon's Souls quand t'étais sur PS3. Le même point, quoi. Écoutez cette ambiance de ouf. Alors je suppose que ça... Il n'y a pas un coup fort et un coup moyen... Normalement, si. Un coup comme dans Dark Souls. Bah, si tu laisses appuyer... Wow. Bonjour. C'est bien ça. C'est Freddy Krueger.
Alors, comme tout Dark Souls, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Le mec, il est arrivé 5 secondes. Ah. Il faut apprendre deux choses. Il faut apprendre le pattern des personnages, c'est-à-dire leur type d'attaque, pour les apprendre par cœur et pouvoir esquiver. Il faut apprendre sa propre arme par cœur. Ça veut dire quelle est la longueur de portée de son arme et quelle est sa fréquence de frappe. Et une fois qu'on assimile ça, alors le jeu devient beaucoup plus facile. C'est quand même fou que tu parles de pattern, alors que je n'ai pas joué. C'est pour aller avec le palsan. Palsan bleu. Oh, regardez, le chat, il veut faire l'amour à la fenêtre. Non. Waouh, mon internet a claqué. Du coup, il s'est passé quoi? Il s'est passé que... Fred a reperdu et a repassé la manette à Apoification qui est en train de jouer et de découvrir le jeu. Purifions ces rues souillées. Non, c'est vraiment comme d'hab. Moi, tu me fais des cannes, là. Là, toi. Oh, c'est qu'ils sont... Il y en a plein là-bas. Hein. Et n'oubliez pas de ramener du monde. Là, ça. Bon, ma connexion est trop pourrie, impossible de regarder. Oh, il fait des... Ah, super. C'est super calme. Ouais, Apo est super concentré. J'espère que derrière toi, il n'y a rien, parce que là, t'avances quand même. Bah ouais, si, il y a la blinde derrière. Il doit y avoir 5 ou 6 gugus. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton coin et tu allumes un feu de camp ou tu fonces sur eux et tu les zigouilles? Ouais, il est où le feu de camp? Non, je déconne. Comment t'as eu l'arme, Fred? J'ai pas compris. En fait, il y avait un message et dans le message on pouvait avoir un cadeau et un cadeau pour les choisir. À gauche, c'est pas une... Ça tente quelqu'un, le hockey manager? Là, droite, là, tu peux pas rentrer là-dedans, ça paraît bizarre. Sale intruse, qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse. Fichez le camp, tout de suite. Waouh, c'est... Mais manager, ça m'intéresse moyen. Inside? C'est quoi, c'est du hockey, mais... Oula. Oh my god. Mais tu t'as pas vu tout à l'heure quand t'étais au-dessus? Si. Moi, ça va commencer à être un peu plus chaud, là. Tu vas venir un par un? Ouais, bien joué, à coup, vas-y. Il y en a un qui est... Réponse, 40. Aïe. Je pense que ça a pris sur triangle pour se donner des popos. Pas tout de suite, hein. Il a fait popos. Oh mon dieu, putain, ils sont 40. Si c'était toi, je foncerais en donnant un petit coup. Et puis après, tu leur donnes un... Allez, vas-y, frappe. Maintenant, tu recules, tu roules. Recule, potion. Laisse-toi. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, par contre, c'est l'inverse. À mon tour. On rigole plus, là. Regarde quand même tes équipements, parce que je pense que tu peux avoir un flingue. Je me souviens qu'on avait un flingue. J'ai vu qu'il y avait marqué qu'il y avait un flingue. Mais... Parce que t'as deux armes, hein, moi, tu peux switcher. Bon, je me souviens quand on avait des flingues. Je suis nulle. Mais non, t'es pas nul, c'est juste que t'as pas forcément beaucoup joué à ce genre de truc. Moi j'aime pas. Vas-y, j'aime bien te regarder. Dark Souls, c'était cool, hein. Dark Souls 2. Je vais jouer. Bon. Un petit coup de coca, et ça repart. Bienvenue à tous sur Bloodborne. Faut que j'apprenne à jouer, donc je suis désolé pour ceux qui arrivent. Ok, donc on a deux coups. On a L1 qui est clairement un coup rapide, comme vous pouvez voir. Et on a L2 qui est un coup beaucoup plus lent. Et donc, du coup, qui a une détonation qui prendra du temps et qui frappera fort. Alors que L1 va clairement donner des petits coups rapides. Bon, on a une possibilité de transformer son arme. De détente, ok. Ce qui m'étonne en effet, c'est que j'avais l'impression, comme le dit Apolline, qu'on avait une autre arme.
c'est pas grave. On va déjà voir ce que ça donne comme ça. Mal celui-ci, hein. Il est long à placer, mais on va essayer de le mettre pour casser. Voilà, ça se fait. On va crier, enfin, au moment où j'ouvrais la porte, je me suis dit putain, elle crase vache. On va pas attendre. Des armes. J'ai entendu un bruit. Est-ce qu'il y a un mec, il y a un mec au fond là-bas, regardez. Il a l'air bien bien gros d'ailleurs. Il y a Julien. Salut Jules. Il y a un mec là-bas qui fait traîner sa hache. Sauvageonne, non, mais c'est parce que. Voilà, il y a des mecs qui vont se lever forcément. De toi, tu es sauvage. Ça fait extrêmement mal ce coup. Ce que je vais faire, c'est un peu essayer de casser l'arme en comme ça. Pour... Quelle est la rapidité en fait en... Ah, d'accord. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Beaucoup moins de détente par contre. Il y a aussi un bouton, si vous voulez, deux clics sur rond vous fera rouler pour la défense. Clic prolongé sur rond vous fait courir. Double clic vous fait sauter. Donc avec un seul bouton, il y a pas mal d'actions. C'est un mec ça. T'as pas un flingue? Non, j'ai pas de flingue.
balles, non? Je sais pas trop si je peux y aller ou pas. J'ai peur de me faire désinguer alors que j'ai quand même pas mal avancé là. J'ai pas toujours pas de feu, ça m'étonne. Bien planqué et baouh! J'entends aussi un bruit bizarre. Là. T'as vu, elle a la capuche mouillée. Ah mais non, c'est le sang, je pense. C'est le sang qui dégouline sur moi. Attends, à ce point-là mouillée. Pas là-bas, il y en a un là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent là? Soyez prudents avec l'attaque par derrière. Elle a la capuche qui bouille. On avance, pour l'instant on va essayer de pas trop se faire remarquer par nos amis. Il y a quand même du monde, hein. Ça m'inquiète, hein. Vous connaissez Dark Souls, hein. Un ennemi ça passe, deux ennemis c'est chaud, trois c'est docteur c'est boulot. Alors ça veut rien dire. J'ai rêvé. Il y en a encore au fond en plus, hein, vous voyez là. Un jeu qui s'appellerait Fais gaffe aux escaliers. Et en fait, t'as un gars qui n'arrive pas à bien marcher et en fait, il te descend les escaliers. Mais hop, il y a encore un autre passage ici. Ah ouh, alors ça s'appelle se faire violence. Clairement fait avoir, j'ai pas lu le message. Ouais. Et voilà quoi. Des galets pour en attirer qu'un seul. Le galet? Ah oui, j'ai ramassé des galets tout à l'heure. On a entendu sur les galets. J'ai pas trop compris ce que je viens de faire. Ça m'a fait perdre plein de vie. Est-ce que c'était pas lu les instructions ainsi autorisées? Je viens de perdre toutes mes âmes, je sais pas comment ça s'appelle, les lumières, qui sont tout au fond. Donc pour les récupérer, ça va être vraiment la merde. Bah, disons, les temps de chargement sont longs. Ok, bon, c'était ma première partie.